Ça va, Lisa, c'est pas trop long? Attends. C'est lourd, hein? Oh oui! C'est lourd. Faut mettre de l'eau dans... Mais non, bien sûr, il y a de l'eau ici. De l'eau? Mm-hmm. C'est bien. C'est bien qu'il y en a ici. Vérification. Tu vas? Ouais. Oui. Attends. Moi, je pars en ce Tu viens? Quoi? Moi, je veux te dire, non. Je ne sais pas trop. Tu viens maintenant? Oh, j'ai encore ça pour le coup. Est-ce que tu as dit à une de tes copines qu'on est venu en France pour avoir beaucoup d'argent? Bon. C'est parce que tu vois, parce que moi, ça me gêne pas que je suis dans le rang des pauvres. Parce qu'il y a des riches, des pauvres. C'est comme ça. Et des moyens. Bon, mais moyens, on les laisse tomber parce qu'on n'est pas moyenne, on est pauvre. On est moyenne. On est pauvre. Non. Si on serait moyenne, on habiterait dans un assez grand appartement. Et puis voilà. Ça, on se remaille. Ça, c'est un assez grand appartement. Mais ça, c'est pas un... Tu peux aider Micha, non? Oui. Ça, c'est pas un appartement, c'est un squat, OK? Alors, on n'est pas moyenne, on est pauvre. Bon, vous vouliez me voir? Oui. Ouais. On va à côté? Maintenant, ma demande de statut de réfugié politique était rejetée par la commission de recours. Ouais. Et en attendant, on ne donne pas les papiers. C'est pour ça que je suis dans une situation irrégulière. Mm-hmm. Et j'ai un petit certificat de conseil d'État que j'ai passé. Le dépôt du recours. C'est ça, oui, normalement. C'est ça. C'est ça qui vous sert c'est de papier, tout. Quoi. Oui. C'est intéressant. Il y a le numéro de dossier. D'accord. Et c'est tout. Enfin, sinon, vous avez votre passeport, mais il est périmé. Votre visa est périmé. Tout à fait. Est-ce que vous touchez des allocations pour votre enfant? Non. Non. Évidemment. Non. Ouais. Alors, comment vous faites avec 1000 balles, alors? Question idiote. Je voudrais vous demander, on m'a dit qu'on a supprimé la tolérance des verres, c'est vrai ou pas? Qu'on a supprimé? La tolérance des verres, qu'on peut expulser en hiver. Non, c'est pas vrai. Du 1er novembre au 15 mars, on ne peut pas les mettre à la porte. Et que ceux pour lesquels il n'y avait pas de titre d'occupation à l'origine, c'est-à-dire les squatteurs, si le tribunal l'ordonnait, il pouvait y avoir expulsion pendant l'hiver. S'il y a des choses que je dois faire, que je peux faire. Vivez, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je voudrais vous demander, à votre avis, est-ce qu'on pourrait rester ici après la décision du juge? Du juge? Oui. C'est difficile, on ne sait pas. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que le juge, il a pas envie de rendre une ordonnance d'expulsion. Il nous l'a dit. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Mais ne te fais pas de soucis, vous ne serez pas à la porte. On pourra fêter Noël ici, quoi. Au minimum. J'ai fini la vaisselle. Très bien, je viens tout de suite. Hein. Ok. Merci, Sonia. Tu es d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il faut pour être heureuse? Par exemple... Quand il y a quelqu'un qui s'en va, et puis il te donne ta maison, sa maison. Bah, tiens,
Ça sera toujours là s'ils m'offrent ma maison à moi. Donc tu es heureuse à moitié, Lisa. T'as tes parents, mais t'as pas une maison. Je peux avoir une cuillère moi aussi. Voilà. Par exemple, quand maintenant elle veut pour être heureuse, il lui faut une maison. Mais quand elle aura une maison, il lui faudra une autre chose. Et quand elle aura cette chose, tu vois. Oui, je vois bien. Oui, j'adore ça. Tu es sûre que tu seras heureuse quand tu auras une maison? Ouais. Des amis! Des amis. Et si je suis d'accord? C'est une chose là. Une des plus importantes dans la vie. Ouais. Ah oui? L'amitié. C'est ce que j'écris dans mon exposé pour l'école rose. Mmh. Il est chic, méchant. Il est chic, méchant. Notre tableau, c'est là-bas et ici. Oui, les deux verts, ah, et oui, puis les autres, là, c'est au Rue Taine. Et ça, c'est vous, c'est Olga. Les deux. Ils travaillent ensemble, mais parfois, il y a des tableaux de maman, il y a des tableaux de Micha, mais parfois, il y a quand ils travaillent ensemble sur le même tableau. C'est drôle, ça, de travailler ensemble. C'est bien. Ça fait les styles mélangés. Ouais. Nagda, parfois. Voilà, je traduis. Parce que не всегда получается совпасть. Parce que on n'arrive pas toujours de lier les styles pour que ça convienne. C'est très difficile. C'est très difficile. De nouveau. Je suis obligée, sinon je serai en retard. Et déjà, oh, il est presque 7 heures. Déjà 7 heures. Toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est vachement méchant. Il m'a mordu là. Tu vois? Là. Là, ça fait vachement mal. Il va te mordre toi aussi. Ah, non, t'inquiète pas. C'est la mienne. C'est ce que je veux. Voilà. Ah, maintenant je peux. Maintenant tu viens, d'accord? Voilà. Parce que t'es méchante avec ma soeur. T'es méchante. T'es méchant. D'accord. Non. Quoi? Tu l'as puni? Oui, je l'ai puni. D'accord. Parce qu'il l'a vraiment mérité. Joyeux, comment ça s'écrit? Je dirais pas. Y, oui, l, y, l. I. U. Ah voilà. Ah,
vu en général. Saint-Pétersbourg, pour quelqu'un, c'est le nom d'une ville lointaine. Mais pour moi, c'est quelque chose de plus. C'est ma ville natale. La Niva, c'est le grand fleuve de Saint-Pétersbourg, un peu comme la Seine à Paris. Et si on me demande la couleur avec laquelle je peux définir Saint-Pétersbourg, ce serait le bleu pâle. Je vois rien de marrant. J'ai une question, Sophia. Oui? Comment ça s'écrit Saint-Pétersbourg? Ah, vous pouvez dire? Vas-y. P-E-T-E-R-S. Saint-Pétersbourg, c'est pas Pétersbourg. Ah ouais, S-S-A-N-T. P-E-T-E-R-S-B-O-U-R-G. Oui. Ça a été dur pour toi de t'habituer à Paris? Non, c'est comme respirer. C'est venu tout seul. Et tu trouves que les gens en France sont plus riches que les... Que les gens en Russie, oui. Ça dépend parce que notre famille, elle était beaucoup plus pauvre. Par exemple, maintenant, là, je suis pauvre, mais par rapport aux quelques Russes, je suis beaucoup plus riche. Enfin, je mange... Par exemple, en Russie, le dernier temps, je mangeais que des pâtes. Oui. Ça te plaisait, les pâtes? J'avais pas le choix. Sonia. Bonjour. Non, on joue pas, je suis occupée. Sonia, regarde. Oui. Elle est vachement belle dans les mouchoirs. Остановка в старом селении. Оглянись, куда ты пришел. Люди здесь лежат, как поленья. Хорошо. Но неровно. Кто считает старые бревна, спичками сверкая во сне. Миша! Quand tu vas nous réparer la télé? À demain. Demain? À demain. D'accord? Demain, promis juré. Promis juré. Ok. Ouais! On va essayer, c'est pas sûr.